Dans une visite spéciale que Antonio Guterres est arrivé faire dans le pays d'Haïti, Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, qui était Chita, parlait ensemble avec le premier ministre haïtien, qui est Ariel Henry, sous crise politique, sécurité et élection, pour nous citer ça seulement. C'est quelques parmi points qui étaient sous table discussion hier. Mesdames, Messieurs, secrétaire général ONU, plaidé en faveur d'une force étrangère pour venir aider la police là résout problème gang armé en dans pays d'Haïti. D'une autre part, nous gagnons toujours pendant même visite ça, te gagne numéro 1 ONU qui t'est profité rencontrer avec divers autres acteurs dans société civile là. Tant coup maître André Michel et maître André Michel confirmé pour nous que SDP t'est rencontré ensemble avec secrétaire général là et monsieur Antonio Guterres pour l'été capable de renouveler demande que yo gagné pour yon assistance militaire ta vini aider Haïti faire face avec dossier insécurité qui vraiment a fait la rage. Oui, d'une autre part, nous gagnons Majorie Michel, c'est lui-même qui se représentant SDP dans la rencontre si là, c'est lui-même qui était là, qui tabaye information sur là. Nous gagnons directeur financier ONA lui-même, qui c'est monsieur Pierre-Franc Lubin, bien sûr, qui invité dans ULCC jeudi à même pour te répondre à la question. Et nous pas connaît comment ça va finir. Parce que je dis à l'gain pour l'explication sous contrat location de plusieurs véhicules blindés qui étaient signés sous nom l'ONA. Et grosse somme l'argent est compté et c'était divers prêts côté que t'es hypothéqué. T'es gain en pile l'argent que quelques autorités politiques t'es fait dans l'institution. Pendant que données eux-mêmes t'a effacé sous système là. Mesdames, Messieurs, responsable service génie ONA tout li supposé répondre question aujourd'hui même dans mes enquêteurs ULCC yo et demain si Dieu veut qui va 4 juillet concernant yon propriété ONA que yo acheté dans commune de Pétionville dans mes anciens députés commune Kinskoflan Alfredo Antoine pour une quantité de 86 millions de gourdes. Oui, depuis la mi-temps semaine passée en là, information yo qui t'a circulé, t'a fait quoi que gagne deux groupes rivales dans commune Cité Soleil qui yo même t'a fait la paix. Oui, groupe dirigeant initiative citoyen pour changement Cité Soleil yo qui yo même réagi sous dossier si là côté que yo salué vent la paix ça qui a soufflé sous commune. Gustave Benoît t'a lancé un appel bay citoyen yo dans commencement pour capable commencer nettoyer zone yo et puis pour citoyen yo capable circuler libre et libre et le demander avec gouvernement tout prend responsabilité s'il plaît créer conditions pour tout monde Cité Soleil capable vivre dans commune. Nous gagne tout de présumé bandi qui est arrivé Valet Baptiste en échange coup de balle avec la police hier dans commune Delma, plus précisément Delma 33. Hier individu ça yo prend le moyo exactement bord ti marché pas trop loin laboratoire national là. Eh bien moun sa yo c'est des moun qui t'a rançonné moun yo t'a fouillé marchand yo dans canton sila. Exactement, c'est grand point ça nous va gagner pour nous élaborer avec aujourd'hui là. N'a prend courte pause et puis n'a retourner tout de suite après. Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec votre ami René Thomas qui est là pour vous servir. Jean, ça t'est annoncé tout à l'heure là. Visite ça qui est arrivé fait là, qui c'était une visite spéciale pendant week-end là, c'est bien sûr secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui lui-même est arrivé font chita parler avec premier ministre haïtien qui c'est Ariel Henry. Jean nous connaît là, yo te chita parler sur dossier crise politique, sécurité ainsi que élection. Pour nous capables, c'était ça seulement gagner, c'est ça yo, c'est point ça yo qui était sous table discussion secrétaire général l'ONU côté qui était arrivé plaider tout en faveur d'une force étrangère pour venir aider la police résoudre problème insécurité disons gang armé en dans pays. C'est parti côté gain causé non c'est Haïti. En tout cas, nous là, n'a suivre gon bagage que m'a dit là qui contraire de sentiment moi ouais réalité pour force étrangère rentrer dans pays là actuellement vinn là pour ta vinn après des noms là, son bagage qui vient plus réel que hier, oui. Par contre, si nous, ça, raison, c'est qui ça?
élite yo là yo besoin d'une distraction et actuellement Haïti c'est l'occasion parfait pour une aventure militaire juste pour capable utiliser yo utiliser ça comme excuse pour campagne yo américain pas presque à voter encore non si c'est pas en cause qui en faveur que en affaire avec sécurité ou bien Perez moun sa ou pas voter encore bat contre sou par contre sou comme ça journée jodi a pour qui ça moun sa yo qui tout journée a marché chita parler a pour qui ça ou pas font l'autre façon plutôt moi me ba ça qui passé nous même nous pas jamais frapper pied noir terre comme si là sans esclave la ligue toujours dans nous sans esclavage là dans sans nous pi red. Donc nous pas jamais suspend pour nous apprendre dicter dans même monde en bien indépendance sans suspend donc nous fier pour nous dire que nous sommes peuple pour c'est l'autre pays de temps en temps qu'a mettre des pieds collés dans collecte nous comme ça là ah moment arrivé pour nous ta suspendre prendre dicter dans main blanc yo li pas bon comme ça on nous dit jodi a mais qui ça nous voulait pour pays nous sou ka aider nous blanc ou aider nous ou pas ka aider nous tout grand pile l'autre qui t'a voulait aider nous dans situation nous yon là est-ce que ça pas ta force en soupifio regardez matin midi soir c'est chita parler toute l'idée nous étant que moun ka prend gros décision pour pays surtout moun ka gouverner nous actuel c'est aller ailleurs voyager comme quoi que pour Haïti pas développé, pas gen courant dans pays d'Haïti, pas gen l'autre infrastructure yo. Donc nous pensons que li bel comme ça. Est-ce que si nous te gen colonne vertébrale, tant quoi Ariel Henry ka penche chita matin midi soir avec moun sa yo. Si Ariel Henry te gen colonne vertébrale même j'avec Dessalines, Christophe, avec en pile l'autre toujours. Journée jodi a là, ou pensez bagay yo comme ça ou tapier? Ça n'a pas joué yo là. Ça Ariel Henry gen chance joué yo, nous pas tap ka joué yo. Kokoto t'a passé. Pour qui ça journée jodi a nous pas ka camper tof pour nous dire OK zansèt yo te kite héritage ça pour nous et ou Ariel Henry faut qu'on travaille tout pour dire au moins m'a quitté ça pour génération qui va gagner pour venir comme héritage non t'as plus fier Ariel tout petit jeune nous yo c'est jusi qui c'est crème pays avenir paysan yo tout gon seul bagay nan tête yo parti ki te paysan parce que pays d'Haïti pa gen l'avenir et en pile jeune nou yo la ki fin fè faculté c'est des moun ki te capable servir paysan oui mais tout chita la pa fè rien y a gratter senti nan pays a ti sa gen moyen plus yo plus l'argent yo te paye yo tal nan faculté yo ki te paysan yo nan bagay ki pi di yo ki triste c'est que en pile nan yo nan rage ou yo passé bâtiment ou yo prend en pile là yo mouri nan rage mais ti sacré ici a chéri doudou c'est li c'est yo kap soutenir parents yo c'est chouchou famille là moi même là j'aime la ban moi m'a regarder moi même m'a encourager chaque grain mon jodi ou gen possibilité pour aller l'école ou gen possibilité nan payen pour aller l'école fèl parce que c'est seul moyen ka réussir par chance. Parce que ouais Jean Bayo est là, yo critique en pile dans le pays. Si toutefois nous lever, nous aller dans plus bas niveau. Font garder pour nous, pas gain vie non. Moins qu'à parler là, m'te ka n'importe moun désirable dans société à pour l'âge moi. Mais Dieu soit loué. Et pas plus bon que moun qui rejeté dans société à non. M'pas plus bon. M'juste fait un choix que peut-être dans pile l'autre monde pas de faire. M'te choisir rete l'école. Parce que m'te joué une chance rete l'école là. Yon nan bagay ki pi diyo, ki pi mal nan peyi a la, an pil moun kap fè, ou, gwo zak pou yo gen l'ajan la nan peyi a, yo tal l'ekol tou, menm jak mwen. Nou fè tout sa sosyete a mande nou, pou on moun ta fè, e utilite tout nan sosyete a, e pi, malheureusement, moun kap dirije peyi a nan aksyon yo, yo di non, se pa sa nou prepare pou, se zam nan te sere pou, se la mizè an te sere pou, e bien oui, y a manger l'argent yo pas d'eau courant yo pas d'eau soins de santé yo pas d'eau sécurité yo pas d'eau timoso la manger et finalement qui ça utile dans pays a rien même ou pas connait qui ça n'est utile personne n'en sait de toute façon n'a continuer avec information yo pendant nous faut connait que initiative citoyen pour changement dans cité soleil yo eh bien moun sa yo la yo a prêché dialogue nan cité soleil depuis quelques bon l'année eh bien finalement vend la paix entre deux groupes sa yo qui t'a voulu souffler cité soleil là et gen Gustave Benoît qui c'est responsable
ICCS lan, li ta lanse la, yon appel bay citoyen yo pou yo kapab commencer nettoyer zone yo en façon pour citoyen yo capable circuler libre et libre. Gustave Benoît tenan micro nou, nou pral gen chance tande li kounya la. Pour nous évaluer à fond des pertes de la Cité Soleil et qui résultat qui commence à se joindre avec un accord pour la paix. Nous tous connaissons en septembre, 8 novembre, CCS, qui est l'initiative citoyenne pour le changement de la Cité Soleil, secondé ou accompagné par Viamo, Vision pour Haïti pour le monde, Samaritain Beurre. Nous tous avons lancé un programme qui était la Cité Soleil en dialogue. Qui te gen commission à parler avec tout acteur qui n'a conflit ou n'a bloc yo et conscientiser citoyen yo, notamment à tout secteur dans la commune de Cité Soleil, que ça qui a passé dans Cité Soleil là est inacceptable. C'est-à-dire que la société civile Cité Soleil, qui s'est fiable à tout acteur qui a supporté et nous, et conscientiser et signer un accord avec 70 organisations pour nous dire nous la paix dans Cité Soleil. Malgré le combat pas facile, la bataille est longue et longue haleine, mais nous avons avec conviction et détermination à toutes 70 organisations qui étaient dans nous, à tous les trois fondations qui ont la Cité Soleil, qui ont la nécessité pour que la paix soit créée, qui ont observé le programme. Et je tiens à prier à monter grâce à la descente. Moun qui sorti dans tous les trois zones qui étaient dans conflit ou dans l'autre qui pas de capacité dans zone ça yo aller dans zone yo rentrer manger ça veut dire prendre la paix a souffler très fort. Nous remercions à et nous battre bravo à deux mains pour acteur yo pour monsieur qui a conflit yo pour monsieur qui a armé yo qui ont nécessité pour marcher dans la logique qui c'est ce qui te dit Cité Soleil pas doit périr Cité Soleil pas périr. On ne paraît pas si les soleils pas disparaître là. Jodi a qui accepté faire la paix, nous battons un gros bravo et demandons tout le monde qui est là, pas de gâteau pour tous les bras. Fondation Siloé nous salue, Fondation Sabaden nous remercie, Fondation Gabriel nous félicite, nous, qui ouais population, pas qu'à continuer à patauger dans la grâce, dans la boue, dans la promiscuité qui mettait tête ensemble qui fait la paix. Et je dis à la demande des populations soleilles, ICCS, qui c'est organisation qui est toujours à accompagner nous avec l'agence internationale, avec les partenaires pour la paix, sécurité, tranquillité, de tourner dans Cité Soleil. Je dis à la paix à tourner, vina piqua nous, pelle nous, fouche nous, râteau nous, pour être nous, pour nous curer, nettoyer toute zone Cité Soleil. Avec appui l'État sans l'État, avec appui agence sans agence. Mais nous-mêmes, qui sommes citoyens notables, qui ont plus passé 4 à 5 ans, qui ont une route principale, nous n'avons pas de capacité là-dedans, prier à monter, grâce à la descente, nous allons déblayer la route pour le peuple à passer libre et libre. Est-ce que nous comptons ça? Si oui, applaudissez, monsieur le président. Nous avons demandé à l'agence internationale, suspendre de dépenser gros sommes d'argent qui viennent pour Cité Soleil en bataille. En nous rentrant dans Cité Soleil, dans un programme assainissement sans pareil, pour nous curer tout le canal, pour nous nettoyer les rues, car les citoyens qui ont inondé, pour nous empêcher de l'eau, inondé car les citoyens. Il y a un choléra qui a ravagé le monde dans Cité Soleil. On a fait 100 traitements de choléra, UTC, unité de traitement de choléra, pour au moins nous sauver la vie de la population. Fondation Obaï Chance, nous-mêmes, agence internationale, l'État central, en avoir que le départ, parce que nous n'avons pas de prétexte, Cité Soleil fait la paix. Si nous pouvons s'en réapplaudir encore. Pendant nous demander pour toute instance qui est dans le pays, nous, ICCS, Société Civile Cité Soleil, déclarer Cité Soleil zone sinistrée. Nous avons besoin de support toute instance pour nous reconstruire Cité Soleil, pour nous nettoyer l'outil, pour nous permettre à la population de vivre, même avec tous les habitants dans tout le monde. Dans si nous croyons ça encore, nous remercions son affaire. Nous avons fini pour nous dire qu'il y a un grand goût atroce dans Cité Soleil. Citoyens n'ont pas de possibilité
Même pour prendre un repas par jour, voire pour prendre un repas qui est équilibré. Dans ce sens, nous avons dit nous dans plein 21e siècle, Haïti a produit, Haïti compte produit. Donc c'est pour tout le monde qui est dans tout secteur, côté collé à la cité soleil, pour nous créer un grand pour ça. Nous disons, la paix avec sécurité, tranquillité d'esprit, je dis à tous les cités soleil. C'est pour nous, tout secteur, l'État central, la mairie cité soleil, si y a, ou bien s'il existe, ou bien si mairie nous va mettre pour prendre soin citoyens et population, pour ne pas tourner dans sa haute. En côté collé, en alcure, vous dites, il s'essayait de paraître, société civile la paraître, Yamo et Patnel paraître, ou cité soleil, pas disparaître. En tout cas, nous sommes gen chance tant de li, c'est comme ça information yo a déroulé. Gustave Benoît qui c'est coordonnateur ICCS lan, li t'a mandé avec groupe armé yo pour yo capable craser toute vague qui gayait dans commune Cité Soleil lan et puis mettez orgueil sous côté tout pour la paix. Capable durer. Gustavo Benoît mandé l'État, s'il vous plaît, mettez partition pali pour capable bay centre professionnel avec technique dans commune en façon pour jeune capable suspendre kembe zam. Gustave Benoît tenant micro pour plus de détails. La paix le dit pas rien pas dans Cité Soleil. Quel que soit côté va et qu'on a parlé bon Dieu t'a nous mandé élimination tout simplement bay tout gouvernement tout va. Fermez va ouvrir l'école accent professionnel au petit peuple après le métier pour pas jamais tomber dans ça aujourd'hui. Nous comptons sur bonne volonté messieurs, nous comptons sur l'État central qui doit emboîter le pas avec action des personnes qui fait dans cité pour au moins montrer que le pays a tapé dans ça qui fait là et la population a souffert trop longtemps. Mais parce que question va pendant ma parole là, on qui pas de passer des points passer libre. Moun pi Brooklyn ki pa ka passer sur route 9 y a mete pou yo manger yo bien yo café yo content non bamboche la baisse pareil madame a dit monsieur yo an nou kite rancune yo de côté si w ap évaluer chaque moun k'ap vin sou la terre w ap pre chaque moun te kon côté li positif chaque moun bon côté te kon erreur on a bien pardonner de tout cœur et accepter pardonner pour nous passer la paix dans grande réconciliation pour pas gagner ni ma vengeance ni ma violence parce que violence et vengeance pas jamais fait sens sous aucune forme sous aucun prétexte. Voilà, merci beaucoup. Nous toujours gagné Benoît, disons Gustave, qui t'a parlé sous groupe Orméo, côté que il fait la paix, à cause que yo t'a pris conscience de l'État commun, non? Et il t'a demandé avec population, c'était sur le lan, s'il vous plaît, please, fais la paix, sa confiance, côté que Gustave Benoît t'a gagné chance tout pour te converser encore avec nous dans le micro Télévérité. C'est pas seulement accord de paix ICCS là. Ce n'est pas seulement la société civile, l'action que nous menons, qui va la paix. Mais c'est une conscience qui prend. Monsieur, vous-même, je dis, quel que soit lui qui est dans cette soleil-là, c'est pied-bois, c'est là où c'est fatra qui fait. Monsieur, vous prenez conscience, vous n'êtes pas capable, vous êtes petite cité soleil. Vous êtes des petits mouns qui levent dans cette soleil, pour vous êtes propre, vous même cap détruit cette soleil. Yo prend conscience et yo d'accord pour faire la paix. Maintenant, nous mande population faire la paix à confiance, circuler dans tout route yo. Route qui barre nous pral débarrer yo. Route qui gagne patra ak la boue, ak l'eau, nous pral déboucher canal pour de yo passer pour moun sortir la paix rentrer dans cité soleil. Parce que les cité soleil malade, c'est pour mon pays qui malade. Donc, la cité soleil, d'accord, fait la paix. C'est tout pays à qui libérer. Déjà, je m'en parle avec vous, même là, pour n'y a là, n'importe citoyen qui a rentré et sorti dans n'importe zone qui est dans la cité soleil là. Nous, des citoyens, tête frère, CCS travaille à tout notre partenaire, tout le monde qui a mis tête ensemble, toute organisation de base. Nous, une grosse organisation, nous les féliciter public par rapport à la fondation. C'est fondation, c'est organisation comme victime. Comme victime, font pile travail pour ça arriver là. Mais ces dames qui ont pile courage, en pile conviction et détermination, qui est BFM. Entre temps, nous avons demandé à HCT, si c'est un morceau qui baille légitimité avec l'État central là, pour faire de bagailles que le Premier ministre là,
constitution pas de balle doit faire, mais grâce à ACHTC, Milan Maliga, il y a une possibilité pour le faire. N'a demandé à CTA à toutes Milan Maliga qui sont maman, qui concentrent à miséricorde. Pour HCTA, pendant qu'il a complété le cours de cassation, pendant qu'il a sorti au conseil électoral, il a fait un remaniement ministériel, mais pour tout passer, rentrer Cité Soleil dans le budget et dans le programme PIA, pour nettoyer Cité à construire Cité à, pour Cité à sortir dans la race économique et le trouver là. Il y a société à Kouenaou, mais Cité Soleil, parler bien de HCTA, après nos bagages positifs. Qui garantit nous capable bien de la paix ça puisque c'est pas la première fois là. Garantit nous bien de la paix, c'est pas on la paix qui fait par socialisation. C'est pas on la paix qui fait parce que yo bay messian dans nos corps. C'est pas on la paix qui fait parce que y a la police est en mesure pour faire pression sur monsieur. C'est monsieur même qui prend conscience. Yo dire c'est petite cité soleil, yo pas qu'à quitter cité soleil péri et accepter faire la paix. Nous seulement demander population marcher côte à côte main dans main à toute personne d'ailleurs pour sécurité avec la peuple là et dans cité soleil pour nous finir avec cette histoire de barbarie que son bois calé mon a tué monde, on a braché monde. Mais pour cité soleil ces hommes innovateurs qui montrent que la paix capable sans violence, sans armes à guerre. Merci. Eh bien voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean nous sautons de lancer comme ça information yo a déroulé dans zone cité cité soleil. Nous gagnons André Michel lui-même qui t'a confirmé pour nous là que SDP hein, yo t'ai rencontré avec secrétaire général Nations Unies hein, qui c'est Antonio Guterres pour yo t'ai capable de renouveler demande là et puis gagner une assistance publique dans l'idée pour aider Haïti faire face ensemble avec phénomène insécurité. D'après homme de loi, c'est à Marjorie Michel qui était représenté SDP et puis il était annoncé que y aurait été bras l'ouvrir là pour capable continuer dialoguer et puis résoudre crise là. André Michel Tenamikone pour plus de détails. Cité populaire SDP fait partie de différents groupes politiques qui a rencontré, n'est capable même dit qu'il rencontrait, rencontre pratiquement fini, qui rencontrait monsieur Guterres. Rencontre ça, c'est l'ancienne ministre à la condition féminine, madame Marjorie Michel, qui représentait SDP dans la rencontre ça. Et la position que nous avons toujours défendue dans tout côté de la discussion, dans toute forme de débat, et c'est même position, Marjorie Michel a défendu devant M. Guterres, c'est la position du SDP. Cette position, c'est quoi? Oui, le dialogue inter-haïtien doit se poursuivre pour nous joindre meilleure façon pour nous sortir de la crise multidimensionnelle pays à aujourd'hui. Hein? Mais ça qui est plus important aujourd'hui, hein? C'est le problème kidnapping, hein? C'est le problème insécurité. Hein? Et la position du SDP est très claire. Nous avons besoin d'une force internationale en support à la police nationale d'Haïti pour nous capables de craser gang dans le pays, pour nous éliminer gang, pour nous éliminer kidnapping dans le pays. Ça, c'est notre position. Le pays a besoin d'une force internationale d'appui à la police nationale d'Haïti. C'est la seule façon pour nous écraser gang, pour nous mettre sécurité dans le pays, pour nous faire révision constitutionnelle, pour nous mener le pays à non processus électoral libre et démocratique. Bon, on va après le procédé ça. Mais moi, je pense que Guterres lui-même, il est de bonne position sur question, hein, qu'il y a besoin de force internationale robuste. Et l'expert des Nations Unies en matière de droits humains, il était en Haïti, et dans la déclaration, tout, il dit qu'il y a besoin de force internationale robuste. Et en plus, le monde comprend que pays a besoin de force internationale. Et je crois que M. Guterres est ici, il a rencontré un peu le monde, et il a sorti encore une fois, avec la conviction que nous avons, que nous besoin d'une force internationale robuste pour supporter la police. Et ça me croit. Bah, d'ici ça quoi le résoudre le problème, non? Mais il est clair que dans les conditions actuelles, dans les circonstances actuelles, sans une force internationale d'appui à la police, et n'a pas pile en pile difficulté pour nous faire révision constitutionnelle là, pour nous mener un pays à un processus électoral démocratique. C'est quatre là-bas, tout à terre, après ça l'a tourné, et quand il va aller, il va peut-être avoir son rencontre avec chaque monde. C'est vrai, il va comme ça. Ça n'est pas vous. Eh bien voilà, Jean nous sortons de lancer André Michel qui lui-même se parle. Encore lui-même, on parle de chance de garder là. Il parle sous critique qui a tombé sous dos pour voir en place là, comme quoi que le patagne volonté pour résoudre l'insécurité. Mais André Michel, te fait connaître que groupe Mounsayo qui là, qui a réfléchi dans façon ça, c'est parce que c'est des gens qui voulaient prendre pouvoir. Et d'après lui-même, si vous êtes en place là, tout, vous avez réagi de même façon. En attendant encore, André Michel.
problème nous gagnons que nous besoin support international là c'est pour question sécurité là c'est pour question kidnapping là pour nous combattre pas aucun gros technicien dit ça les politiciens qui a dit parole pas aucun gros technicien qui a dit ça les politiciens qui besoin que gang yo crase pays a pour prendre pouvoir c'est au cap dit ça et même monde ça qui demain yo gain pouvoir y a demandé force internationale toi pour creuser la question ça c'est pas de volonté ça sont plaisanterie et qui force police ou gagne combien de policiers ont gagné? Est-ce qu'on a suffisamment de policiers pour faire face à la situation? Combien ont gagné? Qui s'est gagné encore moins? C'est pas plaisanterie. Ou bien plus passer 27 000 km2. Combien de policiers ont gagné? Et de ce qu'il s'agit? Qui s'est gagné comme moyen? Qui s'est gagné comme matériel pour faire face? On a parlé de sécurité, on a parlé de magie. On a dit volonté politique, c'est blague à blague. C'est comme si un gado, il y a même sous au pouvoir d'un matin, après on a claqué de voiture et on a résolu le problème. Mais on va prendre le pouvoir. Nous ne prenons pas pouvoir, c'est tout et tout et Jovenel. Et ce n'est pas nous tout et Jovenel. Si nous te prenons pouvoir, le projet politique nous te gagne, hein, son l'autre bagaille. Mais c'est tout et Jovenel. Nous ne prenons pas pouvoir. Mon qui ne comprend pas ça, il ne comprend pas. Ce n'est pas force démocratique qui prend pouvoir. C'est tout et Jovenel. Et ce n'est pas nous tout et Jovenel. Attention, hein, il faut bien analyser les choses. Nous pas tout et Jovenel. Nous pas tout et Jovenel. Nous pas prenons pouvoir, c'est tout et Jovenel. Ça veut dire Jovenel mourir, puisque le mourir nous prend le pouvoir. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça, oui, information a déroulé. Le tien André de nous. Nous avons un directeur financier ONA, France Pierre Louis-Bain, qui s'est lui-même tout, et joint une invitation dans la ULCC. Pour te aller répondre dans l'investigation, je dis en même, pour te faire explication sous contrat location de plusieurs véhicules blindés que l'ICIEN sous non l'ONA, côté que yo dépense un paquet d'argent, l'argent énorme, yo hypothèque que en pile l'argent de quelques autorités, côté que autorité politique yo te même fait en somme énorme dans l'institution et puis donner ça yo ta effacé sous système ONA. D'après premier élément d'information yo, parallèlement, responsable service génie ONA, qui lui-même tout a supposé à répondre question enquêteur ILCC yo mardi 4 juillet qui va rien pour venir là en parlant de demain concernant une propriété que Rodlona a acheté dans commune Pétionville dans ancien député commune 15 Kofla qui c'est Alfredo Antoine pour une quantité de 86 millions de gourdes. Information t'a fait quoi que deux concernés yo qui signent un contrat si là yo risqué tomber en bas de grosses sanctions la loi. D'une autre part, nous gagnons deux présumés bandits qui vivaient valer Baptiste yo dans un échange coup de balle avec la police dans la commune Delma hier qui était dimanche là. Individu ça rejoint dans moyo malheureusement dans Delma 33 pas trop loin de laboratoire national là. Dans moment nous capable dire que moun sa yo t'a essayé d'échapper marchand dans zone si là. Eh bien, yo te croisé avec yon patrouille policier, patrouille sa, te mette dominant géo. D'après témoignage, quelques habitants dans la localité si la. Nous gagnons tout porte-parole secteur démocratique dans le département Niplan. Benet Jelus, monsieur si la, li fait connaître que toute invitation législative et que la justice voye by on série de hommes politiques en da pays. Yo pouvé pour venir répondre question sur dossier que yo t'a impliqué c'est des manœuvres d'après li qu'a fait pour fermer bouche depuis c'est monde qui a dénoncé ça qu'a fait qui mal en dans pays d'après Benet Tigelus juge yo seulement a appliqué ça que une communauté internationale l'a dit au fait Benet Gerlus tenant micro nous avec correspondant nous en Claude Clercin depuis Miragouane pour plus détails fait pour bail résultat à avec bon patron yo ce phénomène cinématographique là qui a continué côté que nèg yo temps en temps yo gon mode film yo présenté pour grand public là en façon pour film réel là cap joya pour yo pas et pour moun pas focus sur lui pour peuple là pas gain temps pour le parler de misère et de grand goût de ça la passé là de réverb nèg ça fait passer donc il y a joué film parce que relé les relé Nanel Kassi sous question de BMPAD bon pas connait sous qui base parce que Nanel pas bon moi pas connait en tout cas m'pa gain information que Nanel t'a travaille dans BMPAD puisque m'pa gain information ça donc m'pa ka dire rien. Mais en attendant que m'ta une information ça
qui dit que Nenel était employé, elle était directeur, elle était whatever, ça était dans BM Bad là. En attendant, j'ai information ça. Moi, je crois que ça qu'a fait là, c'est cinéma. Cinéma, et puis, dans l'autre côté, c'est que Ariel gagne un travail. La fête, il y a un résultat pour le bail. Et tout le monde estime qui a dit que ça a fait pas bon. Tout le monde qui a dit ou pas capable de faire camper. Ariel a cherché à mettre les gens dans une situation qui est difficile pour ne pas parler. Donc, c'est un pile nègre prenant ça déjà. Et il y a deux gens qui attendent qui ont une série de problèmes, une série de problèmes. On l'autre là, ou qui attendent pas de gagner le vrai. Parce que Ariel, l'autre travail, il voulait faire. Ariel pas voulait personne qui vient jécalé, vient camper devant là. Elle se comprend pour Abdil, ça pas de fait. Donc Ariel voulait aller avec PIA côté que patron lui voulait pour le mener là. Donc pour le mener, il faut que bon série de monde que le pas joindre sous chemin. Et c'est ça qui fait donc capable que gagner. En pile monde que pays a perdu déjà, en pile monde qui a assassiné, en pile monde qui a attaqué, est-ce que vous comprenez? Journaliste, toute qualité monde, parce que nous avons besoin de terrain libre. Parce que grand série de monde, vous estimez, tout autant monde ça yo là, si monde ça yo pas aucun entorse dans le pied, eh bien, il a aidé le peuple à monter monde. Mais puisque moun nan yo moun ki gen antos ou pa ka monte mon, eh bien nèg yo a arrangé yo pour que yo mette antos nan pied tout moun. C'est pas une démagogie, c'est pas une démagogie, c'est une stratégie. Eh bien voilà, c'est comme ça information yo a déroulé. Nous connaissons que le pays d'Haïti chargé avec problème. Chaque monde a une version par ou pour bas. Et bien, c'est la raison pour laquelle qui fait que je dis à nous bon espace pour tendre quelques correspondants. Nous avons un président conseil municipal à Kaya, qui c'est Jean-Jules, qui a déploré Zak Bandio, a fait sous l'an. Mais à là, actuellement, côté que yo détourné 3 bâtiments et puis 3 avec toute marchandise depuis semaine passée, agent exécutif intérimaire mandé ministère justice, ministère intérieur avec l'autre instance qui responsable sécurité dans pays pour prendre disposition qui nécessaire pour sécuriser l'enmer. L'enmer faut qu'il sécurise en attendant que sécurité tourne sur route nationale numéro 1. Pour quelle chance je donne plus détails avec Pascal Feristil depuis Okaye. Prenez exam cap opéré dans titan minoterie té détourné 3 bâtiments ak tout marchandise ki t'ap vin akay semaine passée. Président commission municipale commune akay agent Edner Gilles déclaré Zak Malonet sa interpellé li. Li annoncé li déjà rencontré ak autorité semana nan commune nan yon façon pour planifier sécurité espace moun yo a voyager a. Pi loin, agent exécutif intérimaire mandé ministère intérieur, la justice ak tout l'autre instance qui responsable sécurité dans pays a pour prendre mezi pressé pour assurer sécurité moun yo sou lan mer parce que c'est seul grand moyen pour population rentrer Port-au-Prince. À cause insécurité qui établi dans toute l'autre zone dans pays a commune Akaye vin tourner yon kafou côté moun rencontrer pour prendre bâtiment pour entrer dans capitale là pendant disposition à prendre pour sécuriser lan mer magistrat Edner Gilles mandé autorité yo pour continuer travail pour libérer route nationale numéro 1 yon manière pour faciliter moun traverser sans qu'elle saute. En attendant, agent exécutif la fait konnen, la continue travail ak semana plus garde côte, yon façon pour établir sécurité dans espace là pour éviter nèg exam fait d'ap piyan dans zone nan. N'a fait songer, vendredi 23 juin passé a, nèg exam te détourné 3 bâtiments, yo te touye youn nan marin yo et puis yo te boule koa. Depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. Eh bien voilà, kounyon pral gen chance là pour aller regarder une coquine chaîne vidéo, une vidéo qui paraît bizarre et drôle et qui triste pour nous dans qui situation pays nous rivé. Vidéo ça yo que pral gen chance regarder kounyon là. Pral gen chance ouais, chef coalition qui c'est juste coalition Jean Denis ti mépris et qui t'est passé dans l'école nationale du Clou en des dunes pendant visite ici là, s'il vous plaît. Nèg sa te profite félicité parent yo qui t'a fait un pile sacrifice pour voter mon l'école et puis malgré contexte insécurité a ti mépris dit lui-même li pa karité
inconfort. Il va arrêter comme ça là sans pas faire rien. Et bien il encourage team de travail pour réussir en façon pour capable venir servir pays. Pour l'inviter aussi avec moi comment ça est. Ça c'est dans l'école nationale nous rivé. Ah ouais. Donc et team nous apporte ouais mes vues. Hein, un bel bâtiment. C'était que tout élève yo content ouais mes vues, yo content d'avoir que mes vues venir visiter l'école nationale là. C'est ça que nous avons fait. Et travail social ça que nous a fait c'est tout monde ça pour nous protéger pour nous baou love là des quoi pour parler dans kembe zam puis parler faire bagarre qui négatif dans zam de là et jeudi en coalition il débarqué et dans l'école nationale et d'Edine côté que et tout petit monde tout professeur qui content reconnaître mes prix côté que yo t'est venu puis yo t'est accueilli mes prix et c'est ça nous fait dans plusieurs autres zones. Et direction de l'école là t'es content de recevoir nous. On semble là nous content parce que nous avons des dîmes. OK? Un bel bâtiment. Un bel bâtiment, bâtiment sérieux. Et n'a dit merci avec toute diaspora des dîmes. Merci ensemble avec toute autorité des dîmes et qui t'a accordé nos possibilités ça jeudi pour nous venir visiter l'école là. OK? Un peu de love. Un peu de respect. Là on a pour blindé avec là. Et bien attendez non, qui ça signifie pour aujourd'hui? Et on a des dîmes dans l'école nationale des dîmes, qui ça signifie pour? Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. On va se visiter toute l'école. Pour une zone Griclo qui est dans la commune des dîmes. Et c'est un fierté lieu pour nous. On a toujours bataille pour nous comment nous avons un changement pour le débattement de la Tibonite là. Si nous connaissons moi, mais nous avons élève moi. Qui sont obsédés pour Timon en fait d'année ça? Bon, je vous souhaite pour travailler bien, pour composer. Pour capoter un bon résultat par parents, vous avez fait un content. L'année prochaine, dans la classe EA, vous ne pas retourner là-dedans. Ok, merci. Je vous dis, vous dites que dans l'école nationale, là, qui ça veut dire pour vous, pour que tout le monde vous accueille, vous avez un paquet de love, et qui ça signifie pour aujourd'hui? En fait, vous-même, vous avez un petit monde qui décide de vous apprendre. Si c'est pas en force pour moi, si c'est pas un moteur pour l'Haïti, Haïti nous sommes en train de me servir. Donc, d'accord étudier, d'accord apprendre, de tout le monde dans le pays. L'État-Unis est en train de diriger le pays. C'est pour moi, après travail là, pour bandit, pas pour le pays, pour aller à l'école. Ok. Et il y a une fin d'année, assurément, qui a proposé dans le dernier trimestre. Qui souhaite que vous ayez pour faire l'année ça? Madame, tu veux faire belle note, madame, pas double classe. Ok. Et vous connaissez que c'est mal à l'aise pour maman, c'est mal à l'aise pour pas double, mon passé étape par étape jusqu'à ce que vous finissez pour Haïti. Je dis qu'il est dans une ville en Haïti, c'est pour nous, Michaud, mais pour nous qui pouvons vivre. Pour nous qui pouvons vivre. Pas pour nous qui pouvons vivre. Pour nous qui pouvons vivre, c'est à faire droite. Okay. Si elle veut écraser ma réaction, je ne pas venir pour nous. Nous allons mettre tout le monde pour se dire, tout le monde a mangé, tout le monde a ouvert la machine, tout le monde a fonctionné ensemble. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ça, c'est dans l'école nationale de l'UV. On dit que tout le monde est content, ouais, mes bruits. Un bel bâtiment. On dit que tout élève est content, ouais, mes bruits. Ils sont contents d'avoir que mes bruits viennent visiter l'école nationale là. C'est ça que nous avons fait. Et travail social ça que nous avons fait. C'est tout monde ça pour nous. Ouais, bon Dieu, ça fait mal. Comment travail social ça nous avons fait la social. Mes amis, ouais, un monde qui finance son bandit sous prétexte qu'il va faire social, c'est plus autorité ou bay bandit ça pour opérer dans pays là. Parce que tout monde nous est là actuellement qui dans nécessité, monde ça va obligé obéir avec toute décision bandit. Peut-être qui ça parce que bandi a moyen pour supporter ou bandi a contact avec gros chef dans pouvoir grenèg qui pour bal des bagages pour aider tête yo messieurs dames c'est augmenter nous augmenter moun ta sous population ou n'importe moun qui finan que yo gang que li a supporter gang ça a capteuriser population moun qui finance bandi a li ou parler à bandi pas comme ça c'est li bandi attendez c'est li chef bandi a oui. Alors, et comme ça, vous créez une zone électorale en Haïti là. Son stratégie, vous fait pour contrôler le pouvoir politique et économique du pays. Ça aide à plus de monde qui vient nous regrouper dans la base. Et puisque, il y a un groupe qui est dans la base qui a protégé, eh bien, il profite de ça. Et puis, pour le faire, toute qualité Zach,
des actes qui causent qu'elle toujours besoin de sécurité pour protéger famille et amis, monde que lui fait mal, pour pas venir faire pour pas venir attaquer lui pour la police pas arriver sur lui. Donc auteur intellectuel qui n'a financé malaria examio. C'est des monde qui connaît très bien ce qui ça va déboucher. Il est au financement malaria. Auteur intellectuel qui gère bandi, c'est yo qui t'a supposé là qui pour bailler monde qui pour passer dans l'élection ça pour occuper toute l'autre poste dans l'état. Yo pas capable prendre aucune décision contre bandi. Auteur intellectuel qui créé, qui gère bandi, c'est yo qui là qui pour bailler monde qui passer dans l'élection ça monde qui capable occuper toute l'autre poste que a fait. Et bien puisque c'est bandi yo qui mettait ni moun qui passait dans l'élection ni moun qui nomine en poste important dans l'état yo, c'est des moun qui obligé yo là à protéger bandi yo. C'est même bagaille ça qui mettait Haïti dans sa lié jodi là. Nous gagne environ 30 ans là dans pays, c'est bandi qui cap mettait en paquet, c'est bandi qui cap mettait autorité sous tête l'état. De toute la manière, on a avancé. Nous avons un bandit à examen dans Savien qui avait saboté plusieurs installations EDH. Pendant le week-end, un paysan planté dans la localité La Verdure, qui est la deuxième section communale de rivière de l'Artibonite, qu'on est un moment difficile en bas de bandit dans Savien qui a réclamé tous les paysans. Et chaque paysan planteur a exigé de payer 7000 dollars haïtiens pour être capable d'avoir autorisation pour être capable de travailler sur terre ça. Donc, je vous invite. Tandis avec moi, Désir Vénès, correspondant nous depuis Tirivière Tibonite pour plus de détails. Bandi Bas Gangrif Savien pas décidé quitter pièce infrastructure dans la commune Tirivière Tibonite. Après, il était fin déchepillé, centre de santé dans Gros Chaudière, dans la deuxième section Tirivière Tibonite pour Kounia. Il a débarqué dans centre ville là depuis le commencement semaine là pour arriver dans le week-end. Il a participé désinstaller fil électrique qui passait dans Potoyo qui construit réseau pour alimenter bouc Tirivière Tibonite à courant EDH. Là, bien que depuis un bon bout de temps EDH a pas jamais fait population en Welimière, ça la cause que ensemble habitants qui vivent dans bouc Tirivière la Tibonite ou pas gain l'espoir du tout pour commune Tirivière la Tibonite revive tant qu'elle te connent vivre dans tant longtemps yo ensemble action ça yo pour des désespérance totale bon côté population qui te continuer à faire résistance pour vivre dans bouc Tirivière la Tibonite depuis dans weekend nan, c'est migration totale côté en pile monde a couri quitter bouc Tirivière la Tibonite pour y chercher refuge l'autre côté à cause exaction bandi yo. Même week-end nan bandi gangrifio débarqué dans localité La Verdure dans deuxième section Tirivière la Tibonite yo braqué tout paysan planté qui était dans jardin yo, yo mandé yo quitter espace là pour yo négocier ak yo 35 000 goud pour chaque récolte pour travail terre yo. À part de ça pika yo mette point de pied yo sous terre yo bandi yo réclamé toute terre qui fait diri ak l'autre denré dans deuxième section Tirivière la Tibonite dans La Verdure pour yo situation ça la cause population an, pratiquement la gué des bras balancé yo pa konn ki sen pou yo rele Désir Vénès Tirivière la Tibonite c'était que ta. Voilà, sans plus tard, des directeurs départementaux police nord-est, la commissaire divisionnaire, là, qui c'est Marc André Cadostin, qui lui-même installé vendredi, qui était 30 juin, là, inspecteur municipal Ronald Eugène, comme quoi que responsable convention commissaire police Wanamet, là, t'es fait connaître que, et divisionnaire, là, et puis directeur départemental adjoint police nord, là, nouveau responsable commissariat police Wanamet, là, Eugène dans international li promet pour capable continuer travail avec ancien responsable là en façon pour capable remplir mission li comme ça doit pendant yo mandé à supporter population dans un arrondissement wana metlan pour capable river traquer toute malfoi qui entre sous population plus vaquer à occupation. Ronald Eugène tenant micro nous pour plus de détails. Le travail qui nous attend, mesdames et messieurs, est immense. Toutefois, pour arriver à maintenir un climat sécuritaire, à garantir l'ordre public et à protéger les vies et les biens des citoyens au niveau de la commune, il nous faut une franche collaboration entre tous les acteurs impliqués dans la chaîne de sécurité. Une franche collaboration entre toutes les forces vives de la commune en particulier et la population en général. C'est dans cette démarche que l'on finira par mettre hors d'état de nuit les malfrats, les chevaliers de nuit, les
délinquants et les criminels qui ont fait pleurer de paisibles citoyens de la communauté Ouadamétès. Mesdames et messieurs, je viens ici là pour me capable promouvoir une police de proximité axée sur le respect des droits et de la dignité de la personne. Nous venons ici là pour nous renforcer, ça qui mérite renforcer, pour nous consolider, ça qui mérite consolider, et modifier, ça qui mérite modifier. Moi, je voulais profiter de l'occasion ça, pour me dire, policiers, que la présence nous ici, c'est pour nous travailler avec la population et pour la population. Par contre, nous demandons une priorité professionnelle. Et comportez-vous comme des dignes auxiliaires de la justice et des institutions républicaines. Je ne souhaite pas terminer mes propos sans remercier le commandant-chef de la PNH, M. Franz Elbé, pour son leadership et son engagement à la tête de l'institution policière. J'en profite aussi pour remercier le directeur départemental, M. le commissaire divisionnaire Marc-André Cadocin, pour la confiance passée à moi. Des mots de félicitations à commissaire Bio Moucher, ainsi que l'équipe du commissariat pour avoir su maintenir la commune à un seuil de criminalité acceptable. À vous toutes et à vous tous ici présents, je vous dis merci. Que le travail continue. Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'en suis temps de lancer comme ça que l'information a déroulé. Dans niveau pont Godin avec Kafoujov, en passant par Mawot, MTPTC a redémarré travail construction pont Soudrin Saint-Tubien dans la zone Kafougomone. Et c'est bien sûr dans l'idée pour permettre machine poids lourd pas passer, disons, yo capable passer, mais yo pas passer en dedans, y a capable prendre la rue. Nous pas rien chance tande ensemble avec moi Mackenzie Pierre Louis Konaïve avec nous dans micro nous pral ba nous beaucoup plus de détails sur fait si là. Chemin de l'Université Haïti nous préoccupé par ça puisque et depuis quelque temps pas gain transparence dans question budget et budget national yo, c'est opacité totale côté que c'est gouvernement qui décide lui-même et la mette budget dehors sans aval société a sans aval parti politique organisation société civile sans aval des couches très importantes dans société a donc nous même dans chemin de délivrance qui a fait politique et qui a fait de la bonne politique qui préoccupé par et me capable dire nouveau budget qui en préparation ça qui pral gain pour disponible le 1er octobre prochain et nous même nous te souhaiter connait qui gens qui ligne gouvernement après le bail budget ça puisque constitutionnellement parlant nous connaît que il y a deux types de budget que qui gagnent qui existaient et il y a deux parties dans budget là excusez-moi c'est une partie qui est là pour investissement et une partie qui est là pour dépenses et ça fait quelque temps que l'état haïtien pas retiré rien pour investissement ça fait quelque temps parti que tu es supposé aller pour investissement c'est dans le paiement de dette publique qui aller donc nous-mêmes nous préoccupés par ça puisque nous connaissons seul moyen l'état cap fait un travail pour société a c'est dans investissement c'est là que gon parti dans budget et national là qui aller à investissement qui peut permettre que yo faire route yo créer plus l'école yo subventionner société a yo créer l'hôpital font ensemble de services il me dit au profit de la population hein. Et ça fait quelque temps nous parler bagaille ça et nous même qu'a fait politique qu'a fait bonne politique nous conscient par ça nous prend position et face avec nouveau budget ça qu'en préparation mais parallèlement tout et nous voulons un gros coup de chapeau pour équipe et parti politique et demain et spécialement député ancien député Deïs de Honnête qui tout préoccupé par et question 40% en dans budget national là qui prévoit pour collectivité yo et que depuis et de la fondation nouveau régime ça qui soit disant chita sous démocratie avec depuis proclamation nouvelle constitution ça nous pas jamais d'accord pour mettre 40% dans budget pour collectivité c'est toujours ministère de l'intérieur qui toujours de lagué 50 centimes dans assiette collectivité yo ça qui vient faire que pas cap gagner de projet de développement qui fait en collectivité nous on pensait que plaidoyer ça
que aider m'a fait chemin de délivrance Haïti rentrer dans dynamique là et demander société haïtienne non nous demander collectivité yo et magistrat communal Kazek Azek délégué de ville nous demander des membres de la diaspora nous demander de monde dans corps diplomatique là secteur privé pour aider nous faire plaidoyer ça pour pays à capable commencer investir dans collectivité yo pour que de projets durables et viables qui fait directement dans communauté. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça information a déroulé. Nous gagnons Jean-Élisée Kali, nous capable de dire vendredi qui était 30 juin, c'était date constitutionnellement que gouvernement doit déposer projet loi financement dans le parlement haïtien. Yon bagay ki pa jam rive fèt depuis plusieurs années. Sans ça, plateforme politique chimie de délivrance pour Haïti. Sous dossier ça, li dénonce transparence qui pa gagne vraiment vrai dans budget pays depuis plusieurs années. Qui supposé que ce gouvernement soit qui choisit pour venir avec propre budget pal sans li pa gagne avenir pour faire ensemble avec groupe organisé pour pays lieu. C'est Liska Jean-Élisée qui yo même te nan micro nous encore une fois. Même dans chemin de délivrance Haïti, nous préoccupé par ça puisque et depuis quelque temps pas de transparence dans question budget et budget national yo c'est opacité totale côté que c'est gouvernement qui décide lui-même et l'a mettre budget dehors sans aval société a sans aval parti politique organisation société civile sans aval des couches très importantes dans société a. Donc nous-mêmes dans le chemin de délivrance qui a fait politique et qui a fait de la bonne politique, qui préoccupé par, et je ne sais pas dire, nouveau budget qui est en préparation ça, qui va être disponible le 1er octobre prochain. Et nous-mêmes, nous avons souhaité connaître qui gens qui ligne le gouvernement après le bail budget ça. Puisque, constitutionnellement parlant, nous connaissons que il y a deux types de budget qui gagnent, qui existent. Et il y a deux parties dans le budget. Excusez-moi, c'est une partie qui est là pour investissement et une partie qui est là pour dépenses. Et ça fait quelque temps que l'État haïtien n'a pas retiré rien pour investissement. Ça fait quelque temps que la partie qui est supposée aller pour investissement, c'est dans le paiement de dette publique qui est allé. Donc nous-mêmes, nous préoccupons par ça puisque nous connaissons seul moyen. L'État qui fait un travail pour la société, c'est dans l'investissement. C'est là que y a une partie dans le budget national qui allait à l'investissement qui peut permettre de faire route, de créer plus l'école, de subventionner la société, de créer l'hôpital, font ensemble de services au profit de la population. Et ça fait quelque temps que nous parlons de ça, et nous-mêmes qui faisons politique, qui faisons bonne politique, nous, conscients par ça, nous prenons position. Et face avec nouveau budget ça en préparation mais parallèlement tout et nous voulons un gros coup de chapeau pour équipe et parti politique et demain et spécialement député ancien député de Isde Honnête qui tout préoccupé par et question 40% en dans budget national là qui prévoit pour collectivité yo et que depuis et de dit fondation nouveau régime ça qui soit disant chita sous démocratie avec depuis proclamation nouvelle constitution ça. Nous n'avons pas jamais d'accord pour mettre 40% dans le budget pour la collectivité. C'est toujours le ministère de l'Intérieur qui toujours de laguer 50 centimes dans l'assiette collectivité. Ça qui vient faire que pas cap gagner de projets de développement qui fait en la collectivité. Nous pensons que plaidoyer ça, que aider m'a fait, chemin de livre Haïti rentrer dans la dynamique là, et demander société haïtienne, non. Nous demandons collectivité yo, et magistrat communal, Kazek Azek, délégué de ville. Nous demandons des membres de la diaspora. Nous demandons de monde dans le corps diplomatique là, secteur privé pour aider nous faire plaidoyer ça, pour pays à capable de commencer à investir dans la collectivité, yo, pour que de projets durables et viables qui fait directement dans la communauté. Et voilà, j'en suis en train de lancer comme ça, et bien, sous thème ça, nous avons pasteur Shekina et pasteur Grégory qui lui-même t'a annoncé un marche pacifique dans le pays d'Haïti, ensemble avec quelques États, le 29 juillet, qui va pour venir là, une façon pour permettre chacun haïtien responsabilité, il faut qu'il assume. Dernier temps, ça y est, nous capable de marquer ses principaux objectifs mouvement ça, d'après Grégory Toussaint, qui c'est initiative, activité, si là, encore une fois, tenamico. La parole en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti, lui vraiment surprend nous, et particulièrement la communauté chrétienne, surprend nous, généralement, communauté chrétienne,
sont très difficiles pour mobiliser sur les questions sociales, mais réponse là, l'extraordinaire. Donc jusqu'à présent, ma bonne idée. Donc jusqu'à présent, il y a une mobilisation qui a fait marche, ça l'a fait dans tous 10 départements pays d'Haïti, donc en même temps, donc pas dans la Paléa, donc l'a fait dans tous 10 départements pays d'Haïti en même temps. Massa l'a fait dans 50 États des États-Unis en même temps. Tous les 50 États des États-Unis ont fait en même temps. Massa a gagné 58 pays dans le monde qui ont participé là-dedans en même temps. Massa, dans le moment que nous avons parlé, nous gagnons à peu près, nous gagnons à peu près 750 pasteurs, 750 pasteurs avec l'église qui enregistré et bien pour nous faire partie de Massa. Donc ça c'est donné que nous-mêmes nous gagnons en termes d'enregistrement, mais nous connaissons tout, un pile votre pasteur qui n'a pas enregistré matin, dans mon briefing par exemple, nous avons à peu près 200 pasteurs qui ont réuni dans Gonaïve le matin, hein, donc qui n'a pas enregistré. Donc cela veut dire nous seulement parler de pasteurs que nous gagnons à enregistrer, nous gagnons 750 pasteurs avec l'église, donc 4 marchés, nous gagnons à peu près 200 autres organisations, donc 4 marchés là, plus une quarantaine de médias. Donc c'est à peu près 1000, au moins nous gagnons 1000 organisations à travers le monde qui ont mis ensemble pour nous faire marcher. Dans le moment que nous avons parlé là, nous avons à peu près 250 000 personnes qui ont enregistré au Massa. Encore, on m'a dit enregistré. Généralement, nous n'avons pas enregistré pour nos marches. Donc cela veut dire minimum, Massa nous attendons que nous avons gagné minimum de 250 000 personnes. Le nous avons demande maillot que nous gagnons, nous avons enregistré et demande maillot qui fait. Donc nous avons à peu près 250 000. Minimum, mais ça n'a pas étonné pour nous gagner beaucoup plus de personnes qui sont dites dans la rue. Donc, moi, remercier mon Dieu pour l'enthousiasme que nation hein, et d'une façon générale, et particulièrement la communauté chrétienne, portée à l'initiative. Je conclue avec ceci. Ça, c'est le moment, comme on dit, pour nous lever camper. Moi j'ai à peu près 35 ans de ministère. Donc ça m'a fait là, nous avons 35 ans depuis ma fête. C'est peut-être Mbakwe nous, Mbakwe nation. J'entendais me parler de questions politiques avant, ou bien rentrer dans tout le décadent dans la vie nationale avant de façon publique. Peut-être plus près une dérivée, c'est lorsque le code pénal l'a été pas fait, et puis il y a des questions code pénal qui ont été proposées, et nous-mêmes nous avons des objections morales par rapport à code pénal, là, nous devons le décamper. Donc c'est la première fois que Mounouen a 35 ans, nous rentrons en question comme ça, mais c'est parce que nous sentis, et pas parce que nous sentis, lorsque l'on a coulé, eh bien tout le monde a des responsabilités pour faire ça que nous sommes capables. Haïti n'a pas qu'à couler et puis pour l'été, garder comme ça. Ce n'est pas le rôle de l'Église hein, pour assurer la sécurité des gens de la nation, c'est le rôle de l'État. Problème de sécurité, c'est pas d'abord la responsabilité de l'Église, il ne faut pas confondre, la responsabilité de l'Église, avant tout, c'est de préparer les gens pour l'éternité. Voilà, mesdames, mesdames et messieurs, il y a 350 pasteurs avec plusieurs autres qui ont enregistré pour participer dans la marche mondiale. Là, je nous sautant de là. Eh bien, c'est comme ça, information, yo app déroulé là. Sans plus tarder, nous gagnons une affaire de 30 000 gourdes qui c'est quantité l'argent, plusieurs marchands dans le marché tabac qui étaient obligés à payer yon backup la police pour passer avec marchandises pour yon en bas mon cabrit pour arriver à le vendre dans le marché tabac. Eh bien, ça qui t'a gagné gros conséquences sur prix produit première nécessité yo malgré dollar américain son dollar qui baisse actuel plusieurs marchands pas caché frustration yo mandé démission premier ministre Ariel Henry en tête l'état nous pral gen chance qu'on y entendait un reportage ensemble avec Adiani Oximable. À cause phénomène gang à gang yo dans pays a prix produit premier nécessité au monté 17 OT. Ça qui la cause machin yo ak acheter yo a monté en masse suif depuis un bon bout de temps. Il y a une situation qui la gego kekase nan kere vande yo kap explique mise yo a passé pour arriver ak produit dans marché.
c'est problème et sécurité. Là, on magasin de tabac là. On a cherché un sac à l'bête ou pas qu'à joindre ni. Mais les gens qui viennent là, qui font force, qui payent un bac, qui passent avec une navette là. Ils même font marcher noir. Parce que le produit va arriver à temps, vraiment pour distribuer la population. Parce que le problème côté, c'est l'armée, c'est gang qui occupe. Nous ne venons pas vivre parce que vous ne pouvez pas jouer un produit à l'air, vous avez besoin de nous. Mais les gens qui font force, qui payent un bac, qui viennent avec là. Là, ils viennent avec, ils vont être nègres. Le produit va même descendre parce qu'il n'est pas libéré vraiment sur le marché. C'est avec un camion qui vient là. C'est quoi pour payer 4 000 $, 5 000 $, 6 000 $ pour passer avec vous. Pour payer à sortir mal passe, pour venir là, bien et la spinasse. Depuis en bas, mon capri, il faut payer un bac pour passer avec vous. Et mes calculs, même que $ te descendre, mais les gens n'ont pas payé bac, ils viennent tirer sur le monde qui vient mal. Elianet et yo machin a ransot tax 509 te parler avec li a tenté expliquer mise la passer dans marché tabac en bas fatra la bou senti mette sous client yo qui pa mande yo parfois qui mo qui tuer l'empire mounye $20 pour moi derrière la vision mo pour moi mais ça m'a vendre ma gore ma vendre encore ça va caver l'école pour timier l'école la fermer. Mais tout le monde a proposé les vols là. Américain descend. Ça a 25 dollars, ils vont, oui. Pour des 26 dollars, 25 dollars, ils vont. Ça a 26 dollars. Mais quoi pour les vols là? Mais ça me vend là, depuis matin, mais ça me vend, ils me vendent. Nous, en gros, petit, nous, on finit. Dans la fouille zone en Kalalou, nous contrer avec Marisa et yon machin a expliqué malgré l'argent américain en descend, prix produit pour mes nécessités, yo toujours été bien haut. Pour nous manger, pour nous manger. Bon, même marcher, nous ne pouvons pas marcher. Parce que la caillou, soit exemple, moi même marcher là, moi même presque en cas sauter. Bon, même là, et là, quand même, c'est d'aller là. Mais quand je tire, je fais un là. Si ma chaîne yon a marché à passer, on m'a suivi à cause par les gens qui m'ont dit que ça a pu être pour vendre avec ma chandise. Fredo, yon poté, a expliqué qu'il a passé tout. Nan mache a côté la vie pavle souri ak li. Plezier machan nan mache a pa kache frustration yo pou mande démission premier ministre Ariel Henry ki d'après yo pa régler an nan peyi a. Malfès! Oh! Nou pa ri sécurité. Kon gòp fòm ki pou Ariel ki pi gòp di sou terre. Ariel se pi gòp di ye. Nou pa gen l'autre côté pou nou ale. Li pa ki président se sel premier ministre pa kan Ariel Henry. N'a signalé pour nous dire, depuis un bon bout de temps, prix produits pour mes nécessités, yo, passent span augmenter chaque jour dans le pays, ya, en bas de Naroué, autorité qui dans l'État. Malgré de la descente, c'est vrai, mais prix produits pour mes nécessités, yo, toujours été même gens. Est-ce que prix produits a continué à être même gens? Y a une réponse. En pile mon aptan. J'en bas yo et la vie avec j'en bas yo qui se descend quand même. Parce que l'orgue c'est quand même pouvoir pas changer avec. A Diani Oximable. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, j'en ai eu le temps de lancer comme ça, machin, yo, a passé yon péripétie. Nous gagnons secrétaire général Confédération nationale éducateur ak éducatrice d'Haïti, qui c'est Rose Thérèse Magali Georges, dans l'intervention que l'été arrivé faire, côté que l'été fait qu'on est à travers le Congrès, ça, yo, pour réfléchir sur différents problèmes qui gagne dans le système éducatif haïtien, principalement phénomène migration, li di qui mérite bon genre réflexion à cause de yon série de professeurs qui a parti la quitte pays actuellement et bete sous sa insécurité qui t'a empêché l'école de fonctionner comme ça doit. Madame Magali George, Tenamikoun. À l'utilisation des outils numériques en éducation avec l'aide de l'International de l'éducation. Sans enseignants, on reçoit une formation en sciences de l'éducation avec le support du Centre de formation de l'école fondamentale de CFEP, la Centrale des syndicats de Québec, l'International de l'éducation et la Fédération canadienne de l'enseignement. Trois femmes ont suivi au CREFI une formation en licence en sciences de l'éducation avec le support de la Fédération canadienne de l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation des femmes, excusez-moi. Sans omettre les différents séminaires du groupe Croissance sur le budget adressé au cadre de la CNH. Ce congrès, c'est enfin l'occasion de remercier publiquement l'International de l'éducation d'avoir rendu possible notre solidarité avec l'ancien séant du Grand Sud lors du CIS du 14 août. Grâce à l'International de l'éducation, on a eu un support direct cette année.
en plus de poser les problèmes liés à la condition enseignante, vous avez choisi de travailler sur des sujets d'importance stratégique pour la planète et notre pays, comme le réchauffement climatique par exemple. Cela prouve que tout en défendant nos intérêts corporatifs, le thème central de notre congrès demeure la question migratoire. Elle nous touche aujourd'hui, individuellement, autant que collectivement. Vous avez mis l'accent sur la migration forcée et celle choisie. À ce carrefour de tous les dangers dans notre vie de peuple, nous voici forcés de faire des choix douloureux. Comme disait la chanson des artistes indépendants, nous sommes devenus les Palestiniens de la Caraïbe. Nous n'avons plus la maîtrise de notre territoire. Beaucoup d'enseignants connaissent un exil interne parce qu'ils sont obligés d'abandonner leur quartier pour aller vivre parfois à plusieurs chez des parents ou des amis. Parfois, ils sont obligés de changer de quartier plusieurs fois, vivant dans des conditions de vie et de travail, etc. Beaucoup de nos enseignants ne travaillent plus. Vous savez, plus de 200 écoles fermées entre Fontamara et Montaïmonga. Plus de 200 écoles. Beaucoup de nos écoles sont devenues des repères des bandits criminels qui sévissent dans la région métropolitaine. Nous n'avons plus beaucoup de choix entre la migration choisie et la migration forcée. Le pays se vide de ses cerveaux. Dans vos ateliers, vous allez discuter pour fixer les responsabilités, mais aussi pour mobiliser derrière les résolutions qui sortiront de vos débats, lesquelles, nous n'en doutons pas, seront riches et passionnées. Le pays a depuis sombré dans le chaos le plus total. Les statistiques officielles parlent de 89 millions d'Haïtiens menacés de famine. Des centaines de milliers d'enfants voient leur avenir hypothéqué. Il faut enfin que quelque chose change. Il faut une autre manière d'aborder les problèmes. Il faut repenser la gouvernance de ce pays. Et c'est dans cette perspective que notre organisation avait fait le choix d'intégrer aux côtés d'autres secteurs la commission de recherche d'une solution. Eh bien, voilà. Actuellement, nous gagnons Jonathan Charles qui parle pour lui parler nous un peu de sport et pourquoi pas en attendant de Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là ensemble avec l'invité Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous dit. Actualité à c'est football, nous allons parler Gold Cup 2023 dans groupe B dans BMO Field là. Sélection haïtienne lui-même t'a joué face Honduras. Malheureusement, Honduras bat Haïti 2-1 et poussé sélection haïtienne d'ailleurs dans compétition. Malgré Frendi Pierrot t'a ouvert score dans 20e minute de jeu sur une frappe de Duken Stazon, Pierrot t'a joué un coup moins, il t'a metté boule dans filet, c'était 1-0. Et dans fin premier mi-temps, attaquant 36 ans Jerry Ricardo Bankston dans Bolton, puis t'a égalisé pour Honduras dans 42e minute de jeu. Mi-temps était fini 1-1 et dans deuxième mi-temps, mi-temps 25 ans José Mario Pinto Paez dans 59e minute de jeu, c'est lui-même qui a fait deuxième goal là pour sélection Honduras. Score là lui-même était inchangeable. Haïti tombé s'il vous plaît face sélection Honduras là. Si nous regardons un bilan affrontement entre Haïti face Honduras et sélection Honduras là toujours by Haïti problème. Première fois été joué c'était la Coupe de la Confédération Centrafricaine et Caribéenne de football et le 14 août 1957. Haïti te bat Honduras 2-1. Deuxième fois il était joué, c'est toujours dans la Coupe de la Confédération Centrafricaine et Caribéenne. Et pour tout final, le 16 mars 1961, Honduras te bat Haïti 2-0. Troisième fois, c'était dans la Coupe des Nations de la CONCACAF 1967 qui était faite dans la ville de Tegucigalpa. 9 mars 1967, Honduras te passé Haïti 2-0. Et dans la Coupe des Nations de la CONCACAF 1971, et dans Port of Spain, 27 novembre 1971,
1971, Haïti était écrasé Trinidad 3-1. Cinquième fois où tu joué, c'était le 7 décembre 1973, dans la Coupe des Nations de la CONCACAF. Au final, Haïti était battu Honduras 1-0. Il était joué tout dans la Coupe des Nations de la CONCACAF le 3 novembre 1981. Honduras était écrasé Haïti. Yon sévère 4-0. Et sixième fois, l'équipe s'est joué, c'était un match amical, 21 mai 1999. Honduras était battu Haïti 2-0 dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2002, yon 3 juin 2000. Match aller, Honduras était écrasé Haïti 4-0. Et match retour, on était joué 17 juin 2000. Haïti était prend 1-3 la Kaili dans le stade d'Ilvé 14, mais Honduras. Il était joué tout 20 août. Il était joué tout. Et yon a fait du 19 avril 2007 un match amical. Haïti était bat Honduras 3-1. Et il était joué tout 7 juin 2008. Honduras était bat Haïti 3-1. Il était joué tout en Gold Cup 2009. Là, tu te mets dans le même groupe, groupe B. Honduras était bat Haïti 1-0. Et dans Gold Cup 2013, là. Et 8 juillet 2013, Honduras était battu Haïti 2-0. Et Gold Cup 2015, il était dans le groupe A. Et Haïti a été battu Honduras 1-0. Match ça a été joué 13 juillet. Et là, mes amis, 2 juillet 2023, Honduras bat Haïti 2-1. Honduras, si nous gardons dans 16 matchs, les jeux face à Haïti, c'est 11 victoires. Il y a Haïti 32 goals. Haïti bat Honduras 5 fois. Haïti prend 13 goals. Les mêmes Haïti, les mêmes qui éliminé. Et l'autre résultat qui était fait dans le groupe ça, dans le Levi Stadium, Qatar bat Mexique 1-0. C'est arrière gauche, 25 ans, Hassem Hamed Chitahata. J'étais fait goal là dans 27e minute de jeu avec goal ça à Qatar, les mêmes qui qualifiaient pour les quarts de finale. Mexique finit leader, 6 points, Qatar deuxième, 4 points, goal différence 0. Honduras fait 4 points tout, mais le goal différence comme histoire parce que Mexique t'écrase le 4-0 dans le premier soutil. Haïti, s'il vous plaît, finit dernier dans le groupe ça avec 3 green points seulement. Il y a une véritable déception pour la sélection haïtienne qui est éliminée pour la deuxième fois consécutive au stade des premiers tours dans sa affaire Gold Cup, puisque en 2021 c'était un an premier tour yoté éliminé. N'a pas fait un bac pour aller regarder comment ça a été hier et dans match qui a commencé depuis vendredi dernier. Dans le groupe C, dans Red Bull Arena Harrison, Panama a battu Martinique 2-1. Et les gauches, 29 ans, José Fayardo a ouvert score dans la 57e minute de jeu. C'est le deuxième goal de Gold Cup là. Et pour Panama, il y a eu défenseur Anderlecht 27 ans, Michael Hamir Mourinho Bermoud. Puis il a fait goal dans la 69e minute de jeu 2-0. Gagné en mi terrain 22 ans par le Carl Kizi Fabien dans 90+3, les mêmes qui ont réduit le score là pour sélection Martinique. La deuxième victoire pour Panama, les mêmes qui étaient qualifiés pour le quart de finale, les gagnent 6 points. Et dans le même groupe, c'est à Red Bull Arena, Salvador a fait 0-0 avec Costa Rica. Ça n'a pas bien marché pour Costa Rica puisque deux matchs nuls. Dans le groupe D, à Shell Energy Stadium, Guadeloupe crasé Cuba 4-1. Il y a avancé que Guadeloupe ayant Mathias Frighton, monsieur qui a 23 ans, fait 2 goals, 13e et 43e minute de jeu. Et attaquant en 28 ans, Ange Freddy Plumen, qui te fait goal dans la 41e minute de jeu. Défenseur 30 ans, Anthony Barron, 50e minute de jeu, te fait 4-0. Gubéo, d'après le réduit, un score là avec Richel Hernandez Zamora, dans 62e minute de jeu sous pénal, monsieur qui a 29 ans. Et Cuba, te fait un match là en moins, c'était attaquant cubain 25 ans, Haldahir Ruiz, 88e minute de jeu, te fait carton rouge. Cubain, même, te fait un match là en moins. Et dans le même groupe de ça, Guatemala fait 0-0 ensemble avec Canada. Donc, ouais, Canada, lui-même, ça n'a pas bien marché pour lui. Et pour 3e junior, lui-même, qui a commencé, il y a dimanche dans le groupe A. Dans les visites du Mnan, Jamaïque font seul boucher avec Saint-Kitts. Elle passe 5-0. Goal qui peut être en division Saint-Kitts et Nevis là. Julani Achibal, 30e minute de jeu de baïtet li goal. Qui est mis à terrain 22 ans. John Roussel, 45+2, te fait 2-0. Qui est défenseur 22 ans. Dijon Joel Bernard, dans 49e minute de jeu, qui fait 3-0. 4-0, c'est mis à terrain en Claude Jamaïcana. J'ai dit Daniel Johnson, il était fait dans la 62e minute de jeu, monsieur qui est 30 ans. Et puis Curry Burke, dans la 74e minute de jeu, monsieur qui est 31 ans. Il était fait 5e goal là pour Jimmy Kandio. Dans le même groupe, ASA, dans le Bank of America Stadium, les États-Unis crassent Trinidad 6-0. Et dans le match, ça, il y a Jesus Saferi, comme je fais. Ils ont triplé 14e, 38e et 45+3 sur penalty. Je suis venu premier joueur dans toute histoire Gold Cup là, monsieur fait 2 triplés, une collée à Claude, puis j'ai déjà fait triplé face Saint-Kitts et Nevis, et là encore monsieur le même qui fait triplé face sélection Trinidad là, c'est pour la première fois
ça fait une histoire Gold Cup là. L'autre buteur qui attaque 19 ans Kid Correll dans 65e minute de jeu et attaque Venice Football Club là, monsieur le Gianluca Busio 79e minute de jeu, monsieur le même qui a 28 ans et attaque en 24 ans Brandon Vasquez 90+4 dans groupe ça, les États-Unis finissent premier 7 points goal différence plus 12, Jamaïque 7 points tout goal différence plus 8. L'équipe ça même qualifié pour les quarts de finale. Trinidad finit troisième, éliminé. Et gros déception dans Gold Cup jusqu'à maintenant. Cette kit inévite. T'as dit ça, 3 matchs, 3 défaites. Yo pa bay goal. Yo encaissé 14. Nous avons goal sélection cette kit inévite là. Même l'été vient ramasser un Gold Cup. N'a pas rappelé qui va continuer sans sélection haïtienne. N'a pas rappelé qui éliminé dans Gold Cup là. Jonathan Charles lui-même t'a présenté nos rubriques sportives là. Merci beaucoup Jonathan, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous t'étendre au meilleur. Là, nous prenons le temps pour nous garder match ça. Et bah jouette là. En tout cas, nous gagnons gardien ça, entraîneur ça. Nous capable manquer que le transmettre équipe là toute ça était supposé transmettre, n'est-ce pas? De façon pour être capable camper équipe là jam. Et utiliser tout élément, yo utiliser tout élément que tu élément que tu gagne mais yo malheureusement joueur yo pas de faire partie par yo hein? Nous capable dire que c'est fini belle occasion ça que yo joine là mon yo manque réaliste et hier soir c'était plus mauvais défaite pour Haïti disons que nous t'es capable vivre toute l'équipe ça c'est pas ni habite dans phase nous t'es c'est pas ni entraîneur c'est pas ni rien. Les gars est bien après nèg yo vraiment désorienté nèg yo té désappointé ensemble avec Jean ou t'a joué yo joue sans âme sous terrain donc ou pas vraiment gain engagement pas vraiment gain engagement en tout cas nous perdit tout si ça nous té possédé sous terrain ça yo me fait n'importe 25 minutes m'a suivre match là première fois dans la vie me fait tout le temps ça dans toutes 25 minutes ça match a fait n'importe 20 minutes oui il a dominé à 52% même. Toute occasion nous jouons tout net gaspillé. Mais mon match nul, nèg yo pa ka rache. Oh, la vie. En tout cas, je souhaite que nous continuions de travailler. Parce que monsieur ça, son monde qui gagne pile compétences, d'après moi. Mais bon, bah, oui. En aucun cas, mes amis. Il y a nous pas de mou avec Nazon ça là, non. Adje. Nazon pas joué en rien, non, depuis devant Mexique. M'bap même parler de Donald parce que ça a dépassé. Donald a dépassé moi. Monte. En tout cas. Nous t'es tellement besoin. On seul match nous t'es seulement besoin oui, pour nous qualifier. À nous Baravel. Au final nous sortis dans pour là. En tout cas équipe mes amis, yo pas fait avec sentiment. N'importe gens ça y est, Haïti a toujours perdu parce que son jouet, c'est trois résultats, soit gagné, soit perdu, soit fait match nul. Mais malheureusement, mes amis, nous perdu à Pierrot, Nazon souterrain, dans match ça. En tout cas, nous souhaitons que moun ki ti voz yo, nous gardez match bien, gardez match là bien regarder parce que il y a quelques jours faut que commencer par les hein. Faut que moi venir avec quelques nouveaux visages parce que j'en va yo a pour là, grand pile joueur, même si peuple a rien mais yo faut que commencer par les yo. Nous besoin des joueurs qui ka jouer mondial. Kade kote nan l'élimine la, nan premier tour, oui. Li frustrant, li révoltant. En tout cas, y a quelques joueurs qui disent c'est différent par maillot et de toutes les manières. Et nap suivre, comment bagayo va finir. Mais nous pas de pied, nous pas de péri avec pied ou inazon la même souterrain. Et Gedanley, pas de raison pour te sortir souterrain. De toute la manière, mesdames, messieurs, je vous remercie. Le fait que c'est un monde qui a une chance pour regarder des séances de vidéo, ça. Et nous pas prêter, nous pour aller. Nous vous au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. I love my country, je t'aime. Ti pays ça. Qui l'est n'a pas suspendu, fait caca. Semble une bafou douane, rita. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mou, vous mettez sous pété fiel. Nous prenons tout bagaille pour blague, pas de la bataille entre nous. Nous pas engagés, nous n'avons rien qui est important pour nous.
c'est pas pour chou qui te met le wa kidnapping. Just pour rauka, te kyo qui te met le wa pay show. N'a clé on est manifesté, ma de justice pour Jovenel. Pada cet an, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que tête nous droite, qui justice n'a pas cherché là? Abraham gen pour lui dire cette assez, n'a pas foutu suspendre à cela. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui le n'a pas suspendre fait caca. Semble n'a pas foutu ouen en état. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mou, mou, mette fou, pète la mienne. La banque a fonctionné, moun prelin, koussadine. Pendant d'un bac, ma chante, bac a posé sous grand riz, oh Jésus. Bagay sa ferme, I just fucking love my country, qui est. Qui est-ce qui pour gongon? Village de Dieu, grand ravine, 400 marozo. Pourquoi c'est your friend? I love my country. I love my country. Moi remè ti pays m'non. Moi remè Haïti m'non. Frappez.